Bonjour, nous allons maintenant voir comment nommer un post-it. Post-it est une marque déposée dont le nom est rentré dans le langage courant au même titre que Nutella pour pâte à tartiner ou Sopalin pour essuie-tout. Le terme générique anglais est sticky note. En français, on peut utiliser le terme générique pense-bête auto-adhésif, rarement utilisé dans le langage courant. La traduction officielle québécoise est papillon adhésif repositionnable. Sur les sites de vente en ligne québécois, on va souvent trouver le terme de feuillet autocollant. Dans cette série de vidéos, j'utiliserai le terme post-it, du moins jusqu'à ce que la marque 3M me demande de retirer cette vidéo. Et si vous connaissez d'autres termes pour désigner ces produits, n'hésitez pas à m'en faire part.